Bon, ben on va pas faire dans le pathos, mais quand même, merci du fond du cœur, du fond de l'âme, parce que je vous dois une chanson. Je suis ravi, je suis fou de joie de vous retrouver ce soir. J'ai une trouille de malade. Déjà, quand je chante, que je fais un spectacle devant des gens que je ne connais pas, je fouette grave. Mais là, je peux vous dire que chanter, raconter, lire tout ça devant vous, c'est une gageure phénoménale, parce que ben, on se connaît depuis l'enfance. Vous m'avez jamais vu dans cet environnement, et je suis extrêmement, extrêmement heureux de vous inviter dans mon monde. Mon monde continue à vivre, je vais le faire vivre de plus en plus. Je tiens à vous dire que je suis sensible à un point, à votre amitié, elle m'est chère, mais alors chère à un point. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette gamelle, j'ai été voir et ça tient réellement du miracle. Je comprends toujours pas. Je sais que j'ai pas fait un malaise vagal. Je sais que j'ai pris un truc dans la roue avant, d'après ce que m'ont dit les pompiers de Andon. J'ai perdu la direction de la route à cause d'une espèce de cône de chantier qui traînait dans le virage. J'ai vu le virage. Et pour moi, j'étais porté par les anges sur un joli buisson de buis, avec les petits oiseaux, les violons et tout et tout. Il n'y a pas. Il y a un grand mirage avec un gros mur de terre, des gadins partout, et au-dessus, ce ne sont que des arbres. Je ne sais pas comment je n'ai eu qu'un bleu ici. Bon, un petit peu de kinésie, mais bon, c'était pas bien grave, quoi. Mais depuis lors. Il y a une chose qui est devenue poignante dans ma vie, c'est que déjà j'étais bien parti dans cette direction depuis pas mal d'années, à mon frère. Mais là, c'est une évidence que ma vie n'aura d'autre sens que d'être autant que faire se peut, parce que je suis très loin d'être un saint Gandhi et compagnie, il faut quand même pas faire chier Pépère de temps à autre, il sait encore se rendre défait, mais j'ai réellement décidé d'apporter de l'amour à toutes les personnes que je vais croiser dans ma vie. Et ben, ce soir, ça commence avec vous. Alors, j'ai voulu vous emmener dans mon univers onirique. Mon univers onirique, mon monde, ce qui me donne le souffle de vie, c'est un mélange de touche à tout. C'est vrai que je ne suis pas Jimi Hendrix, je ne suis pas un grand écrivain, etc. J'aime toucher à tout. Je peins aussi, j'écris, je compose. Je fais des contes. Vous m'avez, depuis qu'on est enfant, vu me frotter à une foule d'activités. Je suis le parfait dilettante, mais je suis riche de ça. Et avec les années, toutes ces petites choses, j'en ai fait un univers. Et je vous dois aussi cet univers à toutes et à tous qui êtes ici. Vous êtes tous un petit peu les acteurs de ce que je suis devenu. Et j'ai voulu écrire une chanson. Je vais me reculer un petit peu parce que, effet de l'âge, je bigle. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que avant, je composais dans des tonalités mineures. Là, pour vous, je me suis mis au bureau, c'est-à-dire que j'étais à la plage. Et j'ai pris ma guitare, un papier, un crayon, et j'ai eu envie de vous écrire ceci. Amis, comment parler de vous?
Amis, comment parler de nous? Voici maintenant tant d'années. Voici tant de joie, tant de rire. Amis, tant d'échanges à venir. Je te le dis, ami, je vais te le chanter, ami, je peux te le prédire. Maintenant, mes amis, je viens chanter pour vous. Maintenant, mes amis, je viens chanter pour nous. Merci. Alors, on écoute leur vin. Je suis conteur aussi. Et le conteur dit: Un jour, sur une plage de village, arrive un enfant. Son métier, saltimbanque. Sauter sur des bancs, faire l'intéressant et gagner quelques sous. Il raconte des histoires. Et l'enfant a dit: tu vois, ce deuxième morceau de pomme, c'est pour tous ceux qui viendront après nous, les enfants et les enfants de nos enfants, et qui écouteront et raconteront des histoires. La vie est belle. Alors cette chanson-là n'est pas de moi, mais c'est d'un fou chantant qui en plus a été repris par un monsieur que j'adore, monsieur Jacques Higelin. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. J'en donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant: thank you very much, monsieur traîné. Belle nuit, oiseau, les fleurs émerveillées, Artémise, oh douceur, extase de l'amour. Je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça un peu d'imagination. Merci. Une chanson de monsieur Peter Gabriel. In this prison we grew up strong. We were wanted alone. Was tough to fight, tough to win. I never thought I could fail. No, if I left us, so it seemed I am men. Moved dreams on the theater. Have changed my face, have changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, cause you have friends. Don't give up, you're not beating yet. Don't give up, I know you can.